J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée avec moi à Paris. Une journée sous le soleil, sous la bonne humeur, tout simplement. Je vais vous montrer ma petite tenue et on va aller se promener. Ce soir, on va au resto. Là, on va aller boire un verre. Et puis voilà quoi. Enfin, la vie à Paris quoi. Se promener, manger, boire. Et c'est parti. Je vous montre ma tenue. On y va. Alors, du coup, pour mon petit outfit, j'ai un t-shirt à bretelles qui vient de chez Zara, une chemise genre hyper large, oversize. En fait c'est parce que je l'ai pris en XXL, c'est pour ça. Je l'ai acheté à H&M tout simplement. Mon pantalon il vient de chez Bershka, vous le connaissez, c'est celui qui est sur TikTok H24. Et mes mocassins ils viennent de chez H&M, je les aime trop, voilà. Et j'ai un petit sac à main Prada avec une paire de lunettes. Voilà, c'est ma petite tenue sunny day quoi. J'adore. Et jamais une bonne tenue sans un bon parfum. Je prends le My Way de Giorgio Armani. C'est un petit bijou, franchement je l'aime trop. Genre il sent vraiment l'été, les fleurs, le fruit. Je l'aime trop. Bon, là on est arrivé, on est sorti de la voiture et on va aller au perchoir. Toi t'es trop bien habillé bébé. On va aller au perchoir, c'est quoi? C'est un bar, un rooftop? On va aller boire. On va aller boire. You said you were done searching, we were done hurting. Leave those lonely lovers. I made room for you in here. I told you that I loved you. You said you couldn't love me. My chest, it hit the ground. Beginning to an end, in a curtain with the words and leaving with a broken. Bon bah du coup on est parti du perchoir. Du coup c'est genre un resto. Non, eh, ils font restaurant aussi je crois. En mais est-ce qu'ils font restaurant? En bas, ouais. Ouais en fait ils font restaurant, bar, snacking et tout. Enfin nous du coup on était que sur le rooftop. Voilà, on a pris un verre. Et puis voilà, on a profité du beau temps. Et là on va partir au resto. On va aller au Polpo. J'y suis déjà allée dans une vidéo. Je sais plus c'est laquelle, je vous la mets là.
Et voilà, j'ai trop hâte parce que en gros c'est de la nourriture genre seafood. Et tout est bon. Et en plus c'est pas cher. Et en plus c'est sur l'eau. Enfin genre magnifique. Du coup j'ai trop hâte. Et puis voilà. Ma meilleure amie verrait la vie autrement. Donc nous parlons même une autre langue. Elle a une bouffonne, voilà. Elle a une bouffonne, voilà. On est obligé de se taper celle-ci là, voilà. Franchement, on a honte de traîner avec, franchement. Bravo, hein. Bon bah le resto a été privatisé donc on peut pas y aller, vide merde. On va au grec. Là on va chez nous là. Et puis voilà en fait le plan B. Bah là on va rentrer à la maison et on va regarder un peu dans quel appart on va. Dans quel... Putain mais je... On va réfléchir à dans quel resto on va manger ce soir. Là on va rentrer parce que... Vas-y, je t'aime. On est rentré là du perchoir. Du coup bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller c'est le restaurant qui s'appelle Au Pied de Cochon. C'est un restaurant genre traditionnel français. Et qui font bah, en spécialité du cochon. Et bon, il y a plein d'autres viandes aussi. Hein. Bah, je m'habille un peu plus chaudement que ça, quoi. Et puis on va y aller, hein, tout simplement. Voilà, je vous dis à toutes. Je suis clairement dans ma période de boutons. Non, en fait, je crois que je suis toute l'année dans mes périodes de boutons. Bon, coucou mes amours, on se retrouve. Ah, là, je me sens bien. Je me suis douchée, je me suis préparée, quoi. Je me suis brossée les dents aussi, mais bon, je vous montre pas, mais t'as capté. Si jamais, ce que vous entendez, c'est ma machine à laver. En fait, je suis la pire voisine, genre, il est 1h du mat, et je fais tourner ma machine. Je suis la pire. Je suis vraiment la pire. En tout cas, j'ai grave kiffé Au Pied de Cochon. Incroyable. Et franchement, c'est une bonne adresse. Ça fait grave gastronomie française. L'ambiance aussi, genre, trop parisienne, mais genre à l'ancienne. Genre, je crois aussi c'est classé comme un monument, genre, historique. Genre, ils peuvent pas toucher à la déco. Genre, c'est comme la coupole. Trop stylé, j'aime trop. J'ai pris des travers de porc. Excellent. Mon copain il a pris une entrecôte avec sauce béarnaise et tout. L'entrée, on en parle ou pas? Le camembert rôti.
avec des cuisses de grenouille. Oh, oh mon dieu. Mais les gens qui ont jamais goûté les cuisses de grenouille, faut pas que vous croyez que c'est genre trop chelou. En vrai, ça a le goût genre... On va m'insulter si je dis que ça a le goût de poulet, mais... Un peu, franchement. Voilà, on a pris une putain de profiterole à la fin, incroyable. Non, franchement, j'ai trop trop bien mangé. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne petite journée avec nous. Même si on n'a pas pu aller au Polpo, de toute manière on y était déjà allé dans une autre vidéo. Donc voilà, je préfère vous faire découvrir de nouveaux trucs. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi je vais aller me coucher parce que je suis au bout de ma life. Et voilà, en tout cas je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. Bisous.